Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, petit test. J'ai décidé d'acheter ce petit aspirateur. C'est une petite nouveauté récente hein, chez Action. Je l'ai pris essentiellement pour... je vais l'utiliser moi pour la voiture. Je vous dirai si c'est un top ou un flop dans cette vidéo. En ce moment, je ne tombe que sur des flops. Beaucoup de déceptions, mais bon, après, il faut dire ce qui est. Action, il y a aussi des petites pépites, hein, pour trouver de belles choses donc chez Action. Donc là, on va tester cet aspirateur. Il est à 34,95, si je ne me trompe pas, 35 euros, on va arrondir. C'est la marque Beldray, ok. Il y a plusieurs accessoires, et je l'ai pris moi avec les petites touches de doré. Il existe aussi en argenté. Voilà, donc en ce moment, je vous fais pas mal hein, de petits tests, beaucoup de retours produits, etc. À la rentrée, je pense que je vous un petit peu avant la rentrée, surtout en septembre, on reprendra bien, bien comme il faut les vidéos. Là, j'essaye un petit peu d'être régulière, un peu plus, parce que là, c'est pas évident du tout. Pendant les vacances, franchement, il y a les enfants, la fatigue, il fait chaud, enfin bref. Donc voilà, donc je suis vraiment désolée, sincèrement désolée, si je ne suis pas aussi régulière qu'avant. Voilà, mais j'essaie vraiment de lever le doigt, de faire signe du mieux que je peux en tout cas. Donc ne m'en voulez pas. Hein. Allez, hein, c'est parti, on va ouvrir ensemble. Là. En tout cas, moi j'en ai eu des bons retours. J'en ai eu de bons retours. Je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Il y avait aussi un autre aspirateur dans le rayon voiture, spécial voiture. Il est à 10 euros, mais j'en ai pas eu des bons retours, donc je me suis dit, vaut mieux prendre celui-ci à 35 euros. C'est quand même pas donné, dire ce qui est, mais s'il fonctionne, pourquoi pas. S'il fonctionne bien, pourquoi pas. Oh, il est trop mignon, je l'imaginais plus grand déjà. C'est ouf. D'accord. Ça, je le mets là. Ça, vous voyez. Regardez, ici, c'est incroyable, vraiment, je l'imaginais plus grand, mais d'un côté, tant mieux. Je suis tout petit, c'est trop mignon. Donc, il y a ça, il y a la petite base de charge, voilà. On a ici le petit suceur, mais qu'on peut également utiliser, ah non, d'accord, c'est deux accessoires, le suceur et la petite brosse. Et la brosse, il me semble qu'on peut, non, c'est comme ça. Je pensais qu'on pouvait l'enlever. Donc soit comme ça, soit avec le suceur. Ça, c'est la base de chargement. Donc ça, si je comprends bien, ça se clipse là. C'est ça. Ça se clipse là. Donc en fait, c'est petit. Hein. C'est vraiment petit. Donc la base, là vous avez un filtre. Est-ce que c'est un filtre? Ouais, c'est un filtre de secours. Hein, parce que là, il y en a déjà un. Donc je vais vous dire franchement un avis sincère sur l'appareil. Parce qu'il vaut les 35 balles ou pas. En tout cas, il est trop beau. Il est vraiment très très joli. On va fixer ça. Hop. Donc ça, je l'ai enfoncé. On a déverrouillé, verrouillé. Ok. Donc là, c'est la base de charge. On pose ici. Ça doit être ça. Je sais pas trop encore. Je suis en train de... Ok, donc il y a quelque chose qui va pas. Ça, ah non, c'est sens inverse, les amis. Ça, attendez, ça va là-bas. Ça se met là. Ok, et donc ça se met où? Je sais pas trop. Ah, ok, d'accord. En fait, il y a les deux comme ça. C'est bon, j'ai compris. Et là, en fait, vous pouvez mettre les accessoires. Vous pouvez ranger vos accessoires si vous le souhaitez, comme ça. En gros, ça donne ça, nickel. Donc là, vous voyez, il est en charge, il est vert, le bouton est vert. On va mettre des miettes, hein, on va voir si ça aspire vraiment. Voilà.
J'ai rien à dire. Franchement, ça a très bien aspiré. On va aller maintenant dans la voiture, aspirer la petite voiture. La petite voiture, la voiture, quoi. Sachant que là, j'ai aspiré au fait directement. On peut très bien mettre du coup les accessoires hein, si on souhaite. Alors, je vous montre là. Hop. Il y a plein de petites miettes au niveau du siège. Là, partout. Là, il y a encore plein de miettes. Regardez les amis, le réservoir il est plein, 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 plein. Donc j'ai fait uniquement cette partie-là. Franchement, ça aspire super bien, sachant que j'ai fait ça à la va-vite. Hein. J'ai pas encore enlevé le tapis, etc. Mais ça aspire super bien. Il y a de la puissance, j'ai rien à dire. Regardez tout ce qu'on a. Là, je suis en extérieur toujours. Je viens d'ouvrir ici cette partie-là. Il y en a encore plein là. Voilà tout ce que j'ai aspiré. Il faut nettoyer quand même l'aspirateur pour qu'il reste propre. Là, le filtre, il a pris un petit coup quand même. Mais franchement, ça a super bien aspiré, comme vous pouvez le voir. Là, ça a pris toutes les poussières et tout. Franchement, je le valide. En plus de ça, il est super beau, les designs. Donc, on peut bien le recharger et le laisser dans sa voiture pour nettoyer comme ça facilement au fur et à mesure. J'ai oublié de vous préciser, donc l'autonomie, on est sur 20 minutes d'autonomie. Concernant la contenance, donc c'est 100 ml de contenance, on peut utiliser l'aspirateur à sec ou un petit peu mouillé. C'est pas genre mouillé mouillé, mais genre humide. Pourquoi pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, que ce test de ce petit aspirateur vous aura plu. Et ben, vous n'avez qu'à foncer en magasin si vous êtes intéressé. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, bye bye.